Bonjour à tous les amis, on espère que tu es en super forme ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu vas rester à la maison aujourd'hui, tu as beaucoup d'énergie, on va bouger ensemble dans le Club Ceinture. Alors bienvenue à l'école de karaté sportif, une école ceinture. Aujourd'hui au menu, beaucoup d'actions. Nous allons pratiquer à faire les bons choix avec les outils pédagogiques, le bloqueur et le mini-bouclier. Nous allons faire un super échauffement et terminer, bien entendu, avec des super kicks. Et sans oublier, pratique de ruban pour les katas. Alors, prépare les règles de concentration, tu vas les dire toute seule. Prépare-toi, go! Effort plus pratique égale. Ferme la main, ouvre l'autre. Prépare le salut 10 sur 10. On salue, pousse un écoute, prépare les jumping jacks dans 3, 2, 1, go et c'est parti! Let's go! Qui va le plus vite? Prépare-toi dans 4, 3, 2, 1 et stop. Deuxième fois, moins vite ou plus vite? Go! Allons, on y va! Let's go! Pour 4, 3, 2, 1 et la dernière fois, tu le fais au maxi. Go! Et c'est parti! Je te regarde! Je veux le voir fort! Je veux le voir rapidement! Tes parents te regardent et t'encouragent! Dans 4, 3, 2, 1. Un karatéka est toujours! Jamais moins toujours! J'aime ça quand tu fais des réponses comme ça. J'aime ça quand tu fais les bons choix parce que c'est le thème de la journée aujourd'hui avec le mot de la semaine, le courage. Le courage de réussir des défis pour devenir meilleur. Prépare les squats. Prépare-toi dans 3, 2, 1, on plie. Let's go, on y va. Ah, allez, on saute. Pourquoi pas? Alors, on y va. Dans 4, 3, 2, 1. Deuxième fois, plus vite et plus bas. Go, c'est parti. Allez, on y va. On pousse. Encore pour 4, 3, 2, 1 et concentration. Prépare les trois pouvoirs de la ceinture noire, les trois C de la ceinture noire. Répète après moi. Contrôle, confiance, concentration. Position d'écoute. Je ne sais pas si aujourd'hui tu as eu le privilège de lire peut-être ou de pratiquer des éducatifs, peut-être parce qu'il faut toujours persévérer bien entendu. Maintenant, position. Position de combat. Ha! Technique, club ceinture noire, jab. Direct, crochet, uppercut. Encore, jab, montre-moi la précision. Allonge bien ton épaule. Direct, tourne bien tes hanches. Crochet, donc tu peux tourner le poing ici comme ça. Coude hauteur épaule, technique, uppercut. Alors, à mon signal, on y va, go! 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 Trois cris karaté sportif. Quatre cris. Il y a quatre techniques. Ah oui, 3 plus 1, 4. Hey, vous êtes bons en mathématiques, vous autres. Hey, hey. Alors, on y va, 4 qui aillent. Fort ou très fort? Go! Ha, 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 ha! Switch! Ha! Double switch! Ha, ha! Double switch! Ha, ha! Préparez-vous. En silence. Jab, direct, crochet, uppercut. On le fait encore, juste technique. Fais-le avec M. Marcelin. Jab, direct, crochet, uppercut. Tourne bien tes hanches. 1, 2, 3, 4. Alors, je te regarde. Vas-y lentement. Jab, direct, crochet, uppercut. Et là, puissance maximale. Montre-moi la force. Karaté sportif. Go! Jab, direct, crochet, uppercut. Go! Jab, direct, crochet, uppercut. C'est très bon. Allonge les bras. Go! Expire à chaque fois. Montre à tes parents comment tu forces fort. Go! Encore, go! Et la dernière fois, 4 qui aillent, go! Position. Et on s'applaudit. Un high five. On a le karaté sportif virtuel. Pourquoi pas les high five virtuels? Maintenant, position d'écoute. Push-up, karaté sportif, on les fait très, très bien. On va en faire 5, on va plier bien les bras. Et après, je te demande une consigne, soit le punch, soit le kick, et tu le fais 10 sur 10. Alors, très simple, regarde bien. On met un genou sol. Prépare-toi et on dit contrôle. Un genou sol, contrôle. On écoute 1 sur 10 ou 10 sur 10. Alors, garde la posture, la position et regarde bien les push-ups. Lorsqu'on fait les push-ups, je m'assure, hein, ici au Club Ceinture Noire, qu'on plie bien les bras, le menton droit, on fait bien les mouvements. Lorsqu'on a la posture, ici, plus tard, je vais dire punch, 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 kick, 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 kick. Nous y allons avec les push-ups karaté sportifs, mais on va commencer seulement en pliant les bras. Est-ce que tu es prêt? Oui, monsieur. 3, 2, 1, go et place-toi. Prépare-toi à bien plier les bras. On y va pour 1, 2, garde ton dos droit. 3, précision et force. 4 et 5, tiens là.
Écoute bien les consignes. Punch. Punch. Kick. Punch. Excellent. Punch, kick. Kick, kick. Kick, kick, punch. Punch, kick. Et stop, on s'assoit à contrôle. On s'applaudit, bravo. Position d'écoute. Donc, notre corps, il est très important. Nos saines habitudes sont très importantes. On mange bien. Et le mois de mars, c'est le mois de l'alimentation. Alors, c'est pour ça qu'on va remettre le tableau de la santé. Tu vas recevoir donc tes parents par courriel le tableau de la santé. Important parce qu'à l'intérieur, c'est les saines habitudes de vie, comme passer la soie dentaire, se brosser les dents, manger des fruits, mettons de la couleur dans nos assiettes. Mais il y a également, bien entendu, la pratique du karaté sportif virtuel. Pourquoi les présences sont importantes? Parce qu'à tous les jours, tu vas pouvoir te pratiquer. Et bien sûr que nous, quand tu vas ramener ton tableau, on va pouvoir te remettre tes rubans pour continuer à construire ton avenir. Est-ce que tu es prêt à poursuivre? Oui, monsieur. Place-toi en papillon. Ouvre les jambes dans 10. Allez, pousse fort. 4, 3, 2, 1. Ouvre les jambes à ton meilleur. Prends les mains. Tape deux fois par terre. Deux fois dans les mains. Attrape ton pied et on compte ensemble jusqu'à 10. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Roulement de tambour. Vite! Allez! Stop! Descends du côté droit. Compte en anglais maintenant. En anglais. In English, guys. Let's do it, folks. Go! 1, 2, 3, 4, 5. Lower, further, plus bas, plus loin. 6, 7, 8, 9, 10. Roulement de tambour. Come on! On ouvre plus grand, parce que c'est jamais moins, toujours. Oui, on allonge les bras plus loin dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On s'assoit. Contrôle. Ferme les yeux. Méditation. Les yeux sont fermés pour se calmer, se détendre et se préparer à faire une technique qui est plus difficile. Ouvre les yeux. Contrôle. Tape deux fois dans les mains. Fais-toi sur les genoux. Prends le point comme ça. On se relève et on dit confiance. Je suis capable de réussir. T'as vu la vitesse? Et ce qui est bien, c'est lorsque ça va bien, on accélère le rythme. Et toi, tu es un garçon et une fille très intelligente. Oui, et très intelligent, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on est stimulé. Et quand on est bien stimulé et encadré, on performe. On performe 10 sur 10. Nous y allons maintenant avec une technique que j'adore et que tu adores. On appelle ça le drop kick, le coup de pied tombant. On va le faire ensemble. Position, position de combat. Ha! T'as les mains hautes, jambes derrière, un peu comme la lettre D. D'accord? Je passe devant. Hop! Je descends. Jab direct. Donc, la lettre D, demi-cercle, descend en ligne droite. Drop kick. Plus haut, plus vite et plus. J'aimerais ça que tu m'en fasses un. Ouais. Je te regarde. 3, 2, 1, go. Oh, c'était bien. Mais n'oublie pas, dépose le pied plus loin devant. Très important. Regarde, M. Marcelin. Il me monte ici. Je monte. Je descends très loin. Et j'allonge. Jab direct. Et on a tendance à faire le jab mais avant. Ça va bien. Mais quand c'est rendu l'autre jambe devant, c'est l'autre bras. Mais haute, on le fait ensemble, toi et moi. Go! Drop kick, jab direct. Encore, go! Drop kick, jab direct. OK, je te regarde. Go! Kick, jab direct. Go! Kick, jab direct. Dernière fois, meilleure fois. Go! Prépare le switch. Switch! Ha! Double switch! Les mains hautes, plus haut, plus vite et plus. Oublie pas, même chose. Demi-cercle à l'intérieur et je descends. Ton drop kick, ton jab et ton direct. Je te regarde. Un. Eh bien. Deux. Ah, le rythme est bon. Continue comme ça. Go. Et là, on aimerait s'entendre. Trois qui aillent. Fort ou très fort? Faites du bruit. C'est le temps. Go. Oh, on continue une dernière fois avec trois qui aillent. Go. Ha. 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 Position. Et on s'applaudit, les amis. Position d'écoute. Alors, tu sais que la ceinture noire n'abandonne jamais, et la ceinture noire, bien sûr, persévère toujours. Même quand c'est difficile. Là, c'est un privilège d'avoir 2 semaines, donc pour le moment, de congé d'école. Mais c'est important que la ceinture noire soit à l'écoute des besoins de ses parents. Je disais que c'était le courage au mot de la semaine, et ça prend du courage pour faire les bons choix. Bien entendu, il y a le bon courage et le mauvais courage. Quelqu'un qui voudrait t'influencer à faire une mauvaise action, tu lui dis non. Parce que la ceinture noire, confiance en elle.
Et le mauvais courage, le bon courage, bien, c'est lorsque tes parents ou tes enseignants te demandent des défis à faire parce qu'ils savent que tu es capable de réussir. Nous y allons maintenant. Préparez-vous avec certaines parties de kata. Pourquoi? Parce que dans le club ceinture noire, c'est la précision. Nous y allons maintenant avec le début du troisième pinan. On dit yes. Un, deux, trois, go! Yes! Seulement le début. Et bien entendu, sur la chaîne YouTube du groupe karaté sportif, tu vas avoir le lien en bas où tu vas pouvoir aller et suivre le lien groupe karaté sportif sur la chaîne. Et tu vas pouvoir faire tous tes katas du début à la fin, de A à Z. Ils sont là. Position. Alors, troisième pinane, position de départ. Je le fais en effet miroir pour commencer. Donc, je plie mes bras et j'ouvre. Donc, c'est le bloc milieu, bloc à la tête. Ma main qui est en haut, bloc milieu, jam. Je plie l'autre côté, ma main droite par-dessus, bloc milieu, bloc en haut. Je tasse, bloc, reviens, jam. Alors, ce qui est bien de cette combo-là, les amis, c'est regarde bien, tu peux le faire sans arrêt. Oui, en boucle, ici, boum, tasse, bloc, jam. L'autre côté, boum, boum, bloc, jam. Je reviens, je peux avancer encore. Parce que tu vois, le périmètre, la zone où tu fais ton karaté sportif, c'est important qu'elle soit sécure. Que tu sois bien et à le faire en sécurité pour ne pas tomber, t'accrocher contre une table. Tu assures, bien sûr, d'avoir assez d'espace pour faire ton karaté sportif. On refait encore une dernière fois. Pli, bloc en haut, bloc milieu. La main qui est au bloc en haut, bloc milieu. Et le jab. L'autre côté. Pli, bloc. Bloc, jab. Position. Et regarde bien maintenant le quatrième pinan, donc je l'aime celui-là aussi. Alors, on dit quatrième pinan, position de départ. J'ouvre les mains, donc ça ressemble étroitement au troisième. Et la position de départ, c'est pratiquement la même chose, c'est la position chuteau des jambes. Je plie, chuteau, bloc à la tête. Je ramène mon pied, position cavalier, plie, frappe. Et là, je peux faire ça sans arrêt, regarde. Ici, frappe. Ici, frappe. Alors, on le fait ensemble. Go! 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 Dernière fois, go! Dernière fois, go! Position. Et on s'applaudit. Vous êtes bons, les amis. Oh là 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 là! Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de parents qui regardent et qui ont le goût d'embarquer. Et gênez-vous pas, parce que c'est ensemble qu'on est plus fort. Et ce temps de qualité-là, c'est spécial. Parce que c'est sans précédent. C'est une première. On est privilégié, nous, d'avoir ces outils-là aujourd'hui pour faire le karaté sportif virtuel. Êtes-vous encore en forme? Oui, monsieur. Parce que là, on y va fort et on met de l'effort. Prépare la position. Position. Position de combat. Un. Combinaison de deux kicks. Crochet en rond, jab direct. On place les pieds parallèles. Ici, jambe devant, un grand crochet que tu connais bien. En rond que tu connais bien. Jab direct. Donc, jambe devant, crochet en rond, jab direct. Fais beaucoup d'amplitude, un grand mouvement pour aller chercher de la grandeur dans ton coup de pied. Crochet en rond, le jab et le direct. On y va ensemble. Go! Crochet en rond, jab direct. Encore. Go! Crochet en rond, jab direct. Je te regarde cette fois-ci. Montre-moi la précision du club ceinture. Un! Crochet en rond, jab direct. Tourne bien ton pied par terre. Deux! Crochet en rond, jab direct. Oh, plie ton genou, plie ton genou. Go! Dernière fois. Go! Prépare ton switch. Switch! Double switch! Wow! On continue encore. Crochet en rond, jab direct. Un, crochet en rond. Oh, la technique, elle est bonne. Ne baisse pas les bras. On est prêt. Ne penche pas trop. Reste droit comme ça. Donc, n'oublie pas. Beaucoup d'amplitude. Un grand crochet en rond. Wow! Jab direct. OK, on y va. Go! Crochet en rond. Jab direct. Encore. Go! Dernière fois. Go! Position. Et ça mérite une belle main d'applaudissement. Bravo, les amis. Et dernière combo, vous dites meilleur combo. Dernière combo. Parce que là, c'est la précision, bien sûr, de la ceinture bleue. Oui, parce que c'est le cinquième pinane. Alors, position de départ, place-toi comme moi, c'est la position du dragon. Je frappe, je ferme et je tire. Change de côté. Je frappe, je ferme, je tire. Encore une dernière fois. Vas-y lentement. Frappe, tire. Précision. Vous êtes bons, les amis. Position de départ. Belle position du dragon que l'on fait dans le cinquième pinane. Frappe, ferme, tire. 3, 2, 1, position. On s'applaudit, les amis. Bravo. Et là, on s'assoit et on dit contrôle. Parce que
Maintenant, c'est l'heure de faire les bons choix. Les bons choix, c'est la dernière technique, bien sûr. Est-ce qu'on a encore de l'énergie? Oui, monsieur. Oh, yes! Alors, les amis, tu dois être capable de reconnaître et faire les bons signaux. Bien sûr, si tes parents conduisent leur voiture, la lumière, elle est verte, ils avancent. La lumière, elle est rouge, ils arrêtent. En ce moment, la lumière, elle va devenir verte. Et c'est toi qui vas choisir, parce que les blocs sont très importants. Alors, lève-toi, prépare-toi, on se relève. Confiance! Position, position de combat. Ha! On prépare les 8 blocs de base. La main devant, on dit 1. L'autre côté, 2. Tu les connais. 1, 2. Le milieu, 3. 4. 3, 4. Ces blocs-là, on va les faire avec le bloqueur. 5. 6. 5, 6. On lève nos genoux, on se protège. Quelqu'un nous lance un kick dans les jambes. Ou un... 7. L'autre côté, 8. On les place ensemble. 7, 8. Prépare-toi, on compte jusqu'à 8. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, on va voir si toi tu connais bien les chiffres. Regarde, M. Marcelin, reste prêt, reste concentré, parce que je fais le bloc et tu dis c'est lequel. 3, 4. 3, 4. 5, 6. 7, 8. 1, 2. Position. Maintenant, position d'écoute. Parce que là, bien entendu, c'est toi qui vas faire les choix pour faire les bons blocs. Le bloqueur va arriver sur toi et tu dois être capable de reconnaître les signaux. Très facile. Lorsque M. Marcelin monte la cible comme ça, c'est le jab direct, que tu connais très bien. Quand M. Marcelin fait ça, c'est le coup de pied en rond. Bien entendu, la jambe devant, la jambe gauche. Si c'est l'autre côté, c'est le coup de pied en rond, jambe arrière. Ici, c'est l'esquive que tu connais très bien. Si je pique vers toi, ici, c'est 3, 4, parce que tu veux éviter que le bloqueur te touche. Si je viens frapper sur le côté de la tête, ici, rapide, regarde, 5, 6. Tu te protèges en levant ton coude, parce qu'on est prêt, karatéka est toujours parfait. Alors, prépare-toi, chat direct. Oh oui, t'as raison! On doit faire la position, position de combat avant. Alors, prépare-toi, position, position de combat. Ha! Prépare-toi, chat direct. Jab direct. Prépare le bloc 3-4. 5-6. Oh, je peux frapper un peu plus fort. 3-4. 5-6. Jab direct. Prépare le coup de pied en rond. Bang! Ouh! Bang! 3-4. 5-6. On va dans les jambes. Lève tes jambes. 7-8. Encore. Jab direct. Coup de pied en rond. Coup de pied en rond. 3, 4. Allez, protège-toi. 5, 6. Position. Et on s'applaudit. Bravo, les amis. On s'assoit et on dit contrôle. On ferme les yeux. Méditation. Pendant que tu as les yeux fermés, écoute bien ton instructeur. Oui, c'est amusant, c'est divertissant d'avoir beaucoup d'énergie et de se défouler. Mais on doit aussi se contrôler. La ceinture noire contrôle ses émotions, contrôle son corps. On ouvre les yeux, contrôle. Tape deux fois dans les mains, deux fois sur les genoux, tu me regardes dans les... Alors, on vit toute une aventure, l'aventure karaté sportive virtuelle. Ce qui est bien, c'est que le cours que tu viens de faire, tu peux le refaire encore, une deuxième fois, une troisième fois. Et il va y avoir un autre entraînement très bientôt, un nouvel entraînement ensemble ou avec un autre instructeur karaté sportif. Parce qu'ensemble, on veut t'inspirer. On veut que tu bouges. On veut que toi, en retour, mais tu inspires d'autres jeunes à faire pareil comme toi. Parce que la ceinture noire inspire les autres amis. Et tu vas pouvoir pratiquer tes katas au complet. Ils sont importants, bien sûr. Sur la chaîne YouTube, suis le lien au bas de la capsule actuelle et tu vas être capable de pratiquer, de voir tous les katas, que ce soit les katas d'armes, que ce soit, bien sûr, les katas réguliers. On va avoir des belles petites options aussi pour toi dans les prochaines semaines. Alors, persévère. Et on se revoit très bientôt. Est-ce que tu as forcé 1 sur 10 ou 10 sur 10? Effort plus pratique égale. Prends le point, relève-toi, confiance! Je suis en congé! Prépare la position. Position. Ici, au karaté sportif, on est une école ceinture. Respect, gentillesse et poli. On s'applaudit. Bravo, guys. On se voit demain.